Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'appartements en vente cette fois-ci. On est dans le parc de la Bérangère à Saint-Cloud, une commune très très calme, très familiale, beaucoup d'espaces verts, des bonnes écoles, voilà, rien à redire. On est ici sur un cinquième étage, vous avez un ascenseur qui se trouve en interpalier, donc vous avez quelques petites marches pour arriver jusqu'à l'appartement. Même chose en bas pour atteindre l'ascenseur. Alors on va découvrir ensemble un appartement qui est en très très bon état et qui a été même très bien pensé. Il n'y a rien à faire ici, vous arrivez, vous posez vos meubles et vos valises. Tout est déjà prêt. Donc ça commence par un espace entrée où il y a du rangement un petit peu partout. Donc là vous avez tout ce qui est arrivée électrique, vous voyez que c'est récent. Tout ça va être aux normes. L'interphone qui vous permet d'ouvrir la porte du bas, donc immeuble sécurisé bien évidemment. Étagères, un premier placard d'entrée dans lequel on va retrouver donc des étagères et une penderie. Vous allez voir, il y a des rangements partout, il est vraiment très bien pensé. Donc ensuite, pièce principale. Une belle pièce principale, facile à aménager, très lumineuse, alors encore plus l'après-midi, là on est le matin, mais encore plus l'après-midi parce qu'on va être sur l'ouest. Vous avez donc une cuisine, comme vous pouvez le voir, semi-ouverte. Pareil, très grande avec tout ce qu'il faut. Vous avez le lave-linge ici encastré, le lave-vaisselle, four, plaque et hotte, les rangements tout le long. Et à ce niveau-là, vous avez l'espace pour mettre le réfrigérateur. On peut même voir que c'est une vraie hotte, une extraction qui part dans le conduit de l'immeuble. Au niveau des fenêtres, tout a été changé. On est sur du double vitrage aluminium pour respecter les codes de la copropriété. Et en fait, l'ancien balcon a été transformé en loggia. Donc ça vous fait vraiment une pièce complémentaire. Là, ici, j'ai ouvert, mais on peut venir fermer complètement. Sans problème. Et double vitrage également, qui ont été changés. On donne donc à l'intérieur de la résidence un parc de la Bérangère. Donc il y a des parcs pour les enfants. Vous avez un court de tennis. C'est vraiment bien fait. Vous pouvez voir qu'il y a des emplacements de parking un peu partout dans la résidence qui sont à disposition pour tout le monde. Donc premier arrivé, premier servi. Vous pouvez vous stationner donc dans la résidence assez facilement. En face, on a donc l'hippodrome de Saint-Cloud. Pas de vis-à-vis réellement, à part ici à gauche, mais les feuilles arrivent. On verra plus rien d'ici quelques jours. Donc plein ouest, comme je vous le disais, soleil l'après-midi. Pour cette partie-là, on peut voir qu'il y a un convecteur électrique qui a été rajouté en complément, mais sinon le chauffage dans l'immeuble est collectif par le sol. Donc ça, c'est compris dans vos charges, c'est compris dans les appels trimestriels. Et ensuite, on va passer sur l'espace chambre, donc là qui peut être séparé par une porte coulissante. C'est pas toujours le cas, hein, dans ces immeubles, des fois, c'est ouvert directement. Il y a un premier placard juste ici en entrant à gauche, qui est très profond en plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais vraiment, il va très très loin. Un petit réglage à faire. Avec des penderies, des étagères. Très pratique. On a une première chambre, je vais passer un petit peu vite, juste ici à droite. Les chambres sont de bonne taille. Celle-ci, ça va être la plus grande, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a également un placard intégré. Donc, vous voyez beaucoup de rangements ici. De ce côté-là, on va être sur du PVC double vitrage pour les fenêtres, meubles des chambres. Et donc pareil, penderie, étagère. Sur toute la longueur. On poursuit, on va donc croiser les toilettes, donc toilettes séparées, ça c'est très bien aussi. Basique avec un peu de déco, c'est sympa, et un placard de rangement pareil, toujours bon à prendre, bah comme vous le voyez avec les produits d'entretien, c'est parfait. Ensuite, on va retrouver la deuxième chambre, donc qui paraît en fait peut-être un peu plus grande visuellement, mais c'est parce qu'il n'y a pas de placard dans celle-ci, mais rien ne vous empêche d'en mettre un ici là-bas dans le fond. Plus le lit, il n'y aura aucune difficulté ici. Pour les volets, ici on est sur de la persienne métallique. Donc on peut fermer et occulter complètement. Et on conserve toujours cette vue sur l'hippodrome et le golf de Saint-Cloud.
Et enfin, on termine par la salle de bain. Bon, comme le reste de l'appartement, hein, très bonne qualité. Meuble vasque ici, miroir, une grande baignoire. En très bon état, ça a été très bien entretenu. Un meuble en plus ici, étagère, et vous avez la VMC là-haut de l'immeuble. Voilà, vous avez tout pour cet appartement, donc trois pièces dans le parc de la Bérangère à Saint-Cloud. Appartement entièrement refait, en très bon état, bien exposé, vue dégagée. Donc n'hésitez pas à me contacter hein, pour le visiter. Vous pouvez passer par le compte Instagram, c'est letellier, LETE, 2LIER, tiré du bas, CO. Très bonne journée à tous!